Mon histoire. Je m'appelle DSP Dan. Je suis un enfant de mon père et ma mère. J'ai vécu une vie très difficile comme jamais, mais il y a une qui m'a totalement survécu et dont je vais vous parler. C'est tout justement ce qui concerne la vie d'amour. Vraiment, je n'ai pas compris ce que m'arrive toujours. Ça a été totalement compliqué et donc je me suis jugé flou. En effet, jamais j'ai aimé une personne qui m'aime, et jamais une personne que j'aime ne m'a aimé. C'était comme si je n'étais pas appelé à faire tout ce qu'une personne peut, car j'ai toujours été détesté, et c'est là surtout à cause de mon si faible niveau financier et intellectuel. J'étais prêt à tout abandonner pour malpression. Mais j'avais quand même survie. Le choc le plus fort fut d'une fille que mon cœur avait tellement aimée. Je ne pourrais pas passer une journée sans la voir ou sans la parler. Mais malgré je l'avais beaucoup aimée, elle ne m'avait rien en retour. Et chaque fois elle venait difficilement à mon rencontre. D'où l'école était mon sauveur. Car suite à l'école je la rencontrais facilement. Car nous étudions au sein d'une même institution. Mais à la fin de l'année scolaire de cette période je fus dans une profonde douleur. Celle de ne plus la rencontrer, et une semaine après je la demande en rencontre et dont elle va refuser. Je fus bouleversé par cette haine. Je me suis dit certainement je chercherai une autre. J'en ai trouvé plus d'une dizaine. Mais aucune d'entre elles ne me satisfaisait. À tout le temps je pensais toujours à l'autre. Et parmi les filles que j'avais cherchées, il y avait certainement une fille à qui je rendais le même sort que de la première fille envers moi. Et je me suis dit, comment lors qu'une fille est en train de me malmener, une autre est en train de me suivre et j'oublie celle qui me suit, mais je suis celle qui me fuit. Et j'avais compris que, la personne qui te fuit a déjà été fuie, car jamais on ne peut à quelqu'un ce qu'on n'a jamais reçu. Donc j'avais compris qu'elle n'était pas spéciale pour moi, mais son choc ne finissait pas de mon cœur. Alors ma question, pourquoi le cœur doit souffrir à cause d'une seule fille, pourtant la terre est remplie des filles? Cette réponse sera à la prochaine séance. Cette histoire est si longue pour sa suite. Ne nous quittez pas, sois toujours connecté et tu auras la suite pour savoir si qu'est ce qu'il a fallu pour m'arranger. Merci de me suivre, cette production est l'œuvre de maître de la technologie DSP Dan. Monsieur Dan, maître de la technologie de smartphone en RDC, j'affirme.